Bonjour, aujourd'hui je vous propose des fraises au basilic, recette super simple, alors tellement bonne. Donc il vous faut 500 g de fraises, 2 cuillères à soupe de basilic et une tasse à café de sucre. On va commencer par laver les fraises. Un petit récapitulatif. Alors quand on a lavé les fraises, on va enlever les queues. Et on va les couper en 4, voire un peu plus si elles sont très grosses. Donc là, on les coupe. Vous voyez, je les coupe un peu plus parce qu'elles sont vraiment très grosses, celles que j'ai prises. Donc quand c'est tout coupé, nous allons mettre la tasse de sucre. Alors si je mets du sucre comme ça, c'est parce qu'en fait, quand vous laissez poser, ça donne le jus. Et nous allons rajouter le basilic. Ah, actuellement, c'est du basilic congelé. Vivement le beau temps. Donc là, on remue. Et nous allons filmer et le placer minimum une heure au frigo pour qu'il y ait du jus, qu'elle rentre du jus. Donc on tourne bien. Et direction le frigo. Voilà. Donc quand ça a passé au moins une heure au frigo, vous voyez, ça a fait du jus. Voilà, je vais dresser mon assiette. Voilà mes assiettes dressées pour le dessert. Simple, facile, super bon. Une pure merveille, avec des petits copeaux de chocolat. C'est génial. Merci, abonnez-vous, partagez, likez.